Si on l'a tout entendu, c'est pas... je sais plus quoi dire. Bon, je suis à toi pour plus de Monster Hunter 3. On fait les quêtes d'arène. Et on commence avec le grand Jaggy. On va prendre le gun, le beau gun. Pas dans le B-E-A-U, mais B-O-W. Puis moi, je suis loin d'être un pro des beaux guns. Mais... c'est pas grave, je le prends quand même. Et on regarde tout qu'est-ce qu'il s'agit. Chaleur plus 1, transporteur, récupération plus 1. Oui, c'est les talents qu'on a. Puis moi, je vais prendre les munitions qu'il faut pas prendre en ligne. Oh, faut que je l'enlève. Faut pas que je rapproche trop ça de ma tête, de ma bouche. Équipe Grand Jaggy. Je vais prendre les munitions qu'il faut pas prendre en ligne, qui sont les munitions de plomb, qui font l'effet shotgun, si on veut. Ah, pourquoi pas prendre ça? Attends, on va se rationner un petit peu. Ça marche pas, ça, rationner. Hein? Je me suis téléporté sans le vouloir. Ta-da-da-da. Fait que je vais prendre les munitions en plomb 2. Et on va aller tuer un grand Jaggy dans l'arène. Yeah! Bon, fait que commençons. C'est ça, viens de coller sur moi. Normalement, les meilleures munitions, je pense que... oh, fuck. Je commence pas très bien. Je pense que ce serait les munitions perse, mais comme... attends, sont où? Perse, ouais, c'est en plein ça leur nom. Mais comme je suis pas pro, ben, fiez-vous pas sur moi, bon. Ah, ça va être utile d'avoir ces munitions-là pour tuer les Jaggy à côté qui font absolument rien en ce moment, c'est parfait. Puis le grand Jaggy non plus fait rien. Tain, la face! Je pense que ce serait mieux de le prendre sur le côté, par exemple, parce que ça le pognerait plus. Mais je m'écoute même pas, puis je le fais quand même. Trop proche comme pas assez proche, ça ben là. Mais il faut pas prendre cette munition-là en ligne, parce que tu ponges tout le monde avec ça. Puis tu les empêches d'attaquer et tout. Oh, déjà brisé sa crête. Et on dirait que ça y passe au travers, mais en tout cas, on va faire comme si j'avais rien vu. Et ça fait ça. Ouais. Bon, recule, fait pas grand chose. Qu'est-ce que ça? Ce sera pas trop tough, c'est un grand Jaggy. Je vais m'évanouir, c'est ça. Je vais mourir. Faudrait pas que je meure, ça serait un petit peu chiant. C'est bien, par exemple, cette munition-là pour briser partie d'un monstre. Comme là, j'ai brisé sa crête. Malgré qu'il y a les munitions perses et tout. Mais les munitions perses sont bons pour tout faire. Puis évidemment, tu peux avoir plusieurs types de boucan. Ceux qui font des statues, qui mettent des éléments sur les monstres. Et toi, petit Jaggy, lâche-moi un temps, toi. Ça l'a même pas tué. Oh. Il me reste 10 balles. Attends. Oh, attends, j'ai pogné un Jaggy en arrière. J'arrête pas de dire tain, tain, tain. Oh, mon salaud, tain. J'ai redit tain encore. Oh, oh, ça m'a pogné quand moi. Fla. Fla. Ah, ah, ça l'a pogné, ça l'a pogné. Hop. Tu me pongeras pas, par exemple. Je sais même pas si je vais avoir besoin de prendre une potion, probablement, vu que je viens de le dire. Et je vais prendre les munitions normales, hein. Tente pas de prendre les munitions parce que je dis qu'elles sont supposément bonnes, mais c'est pas grave. Et ça crie pendant que je te tire dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Et hop. Ah, il se passe pas grand chose. J'aime pas trop ça être un gunner vu. Ben, je sais pas pour l'utiliser dans un Monster Hunter à vie. Mais j'aime pas ça l'utiliser pour une raison que j'ignore. Malgré que j'aime ça healer le monde en ligne avec un Pokémon. C'est peut-être parce que t'es pas tout justement en ligne, t'es pas dans l'action, t'es plus en arrière de l'action. Mais. Puis tu fais un petit peu chier les autres. Vu que t'attires l'attention d'un monstre plus loin qu'eux autres. Fait que s'ils sont à l'autre bout, puis que le monstre s'en vient vers toi, ben ça les fait chier. Je parle par expérience. Mais c'est pas grave. Ah, ça m'a l'air qu'il est pogné sur cette attaque-là et que je manque comme ça se peut pas. Et les maudits Jaggy sont gossants comme ça se peut pas. Ouais. Et ça crie pendant que je me recharge et... oh. Oh. Fallait pas qu'il fasse chier, hein? Moi, je suis au corps à corps. Je suis au
Car, car. Et toi, tu m'énerves. Ah, j'ai pogné la rush. Oui. Ah, ils sont tubes, ils me lâchent vraiment pas, ces petits Jaggy-là. Normalement, ils sont pas aussi agressifs que ça. Tiens. Tiens. Et le grand Jaggy est épuisé. Ou il fait juste semblant. Ah, faut qu'il rappelle celle qui est morte. Hein. Lui, on va l'avoir dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me regarder de plus proche. C'est parfait, j'ai aucun problème comme ça. Hop! Tu m'as manqué, tu m'as manqué. Et ça me tente de passer au travers. Oh, il est mort. J'aurais dû le pogner à la place. Fait qu'il ne nous reste à rien faire pendant 10 secondes. Puis on va être rendu au Kuropeko! Après que j'avais fini les quêtes d'arène, ben, ça va être rendu... Ah non, ça va être rendu à ma prochaine Let's Play, qui est Super Mario 64. Après ça, je vais revenir faire... je sais pas trop quoi. Monster Hunter 3, je sais que je vais finir les quêtes hors ligne. Soit que je vais montrer Jen Moran, Devil Joe, Pierre le Tréon. Oh, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Oh, je l'ai fini en moins de 6 minutes. Parfait. Non, on va aller choisir une autre quête, puis on va faire une petite affaire. Faut que je paye sur ce piton-là et ce piton-là. Bon, ben, aïe donc! Faut bien que je manque ma shot. Bien, bien, bien. Cool. On va prendre comme weapon, Johnny. Aucune des... Oh, oh non, je le sais, je vais prendre le marteau, voyant donc. T'es sûr que je prends le marteau? C'est qui le marteau? Oh, oh, on voit, il est là. Qu'est-ce qu'on a? Maître piégeur bombardier. On va avoir une trappe? Je m'étonnerais qu'on ait une trappe. Ah oui, il faut que je mentionne les affaires qui sont différentes dans l'arène. Dans l'arène, qu'est-ce qui est différent? C'est que on choisit pas notre équipement, évidemment. On choisit pas qu'est-ce qu'on a comme item. On choisit pas... On choisit rien, dans le fond. Puis, on peut aller chercher des affaires dans l'arène, par exemple, comme des poudres de vie. Je pense qu'il y en a tout le temps. Un petit peu partout, hein, au milieu de l'arène, qui est ici. On peut avoir des poudres de vie, normalement. Ici, oui, attends, nous sommes tentés d'en avoir une. Oh, 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 puis, ah, on a ça. Attends, toi. On va essayer quelque chose avec nos bombes. Et on les pose vite en sacrement. Teinte, ouais! Pas paru grand chose. On va prendre notre jus d'énergie, puis on va commencer à utiliser notre marteau. Non, pas pendant qu'il fait ça, par exemple. Même si je. Hey! Ça, c'est pas légal. Non. Je déclare ça pas légal. Oh, je vais tellement pas faire ça. Ça commence très mal. Ah, ça commence qu'il s'en va dans les heures. Je pense tout le temps mal quand il est dans les heures. Oh, 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 il descend. Je suis pas capable de pas lâcher mon R. Aujourd'hui, ça a aucun bon sens. Et hop! Sacrons notre camp d'être là et chargeons. Ça va être pas mal tout le temps, ça. On va le laisser faire ses coups de feu. Il faut bien qu'il vole. Hein? Hop! Oui, je te pogne ça ailleurs. Mais là, je te manque. Comme ça, ça peut pas. Kuropeko, on l'a déjà vu plein de fois. Ouais, 3 fois. Oh! Quand il fait ça, moi j'aime ça faire ça avec le marteau! Donne des coups gratos. Évidemment! Alors, tuer toutes les monstres qu'on a déjà tués, mais avec des équipements que j'ai pas choisis. Malgré que j'ai pas choisi la guerre cross, l'armure de la guerre cross. Mais je choisissais la lance, par exemple. Puis généralement, ils nous mettent des armures qui n'ont pas une bonne défense dans l'arène. Fait que c'est bien de savoir comment se battre contre un manche. Pas d'être un expert. Là. C'est jamais nécessaire d'être un expert. Parce que je suis pas un expert. Puis je suis capable de les faire, les cartes. Tiens, tu es... Je vais te pogner à la face, mais ça va faire pareil. Oh, il est épuisé déjà. Ça me surprend. Oh non, pas des Jaggy. On vous a vu tantôt. Pourquoi faut que vous veniez nous écœurer encore, hein? Ouais. Puis là, ça me tente de faire ça. Je devrais plus viser la tête. Oh, ben je l'ai pogné. Ok, c'est parfait. C'est exactement ça que je voulais que ça fasse, puis ça l'a fait. Mais je m'attendais pas que ça marche. C'est ça le problème. Et là, il a décidé qu'il me massacrait comme ça. Ça se peut pas. Kuropeko, là, t'es épuisé pis tu me ponges plus que quand tu l'es pas.
Soin. Tu peux-tu descendre? J'aime pas ça quand t'es dans les airs. Merci. Oh. C'est interdit de danser sur les endroits publics. Ça aurait été le fun que ça me heal, moi, à place de Kurupeko. Non, mais j'y ai gâché son fun. C'est toujours parfait, ça, gâcher son fun. Ah, il fait au moins deux fois qu'il est épuisé. Fait que c'est pas trop grave. Je peux aiguiser mon arme, c'est ça que je voulais dire. Mais pourquoi tu t'envoles dans les airs? C'est pas bien volé. Ah, maudit. Ah non, bonus de vitesse expiré. Oui, ça change pas grand chose quand on a full stamina. Les Jaggy, ils me tapent ses nerfs comme ça se peut pas. Juste à être là, ils me tapent ses nerfs. Et Kurupeko me tape ses nerfs, rester dans les airs. Oh, hein? Ah, il y avait du vent. Qu'est-ce que j'étais pas de même? Ah ouais, et ça, fais ça pendant que moi je fais ça sur ta face. Putain, ouais. Ça, c'était parfait. J'adore ça quand on peut faire ça. Là, non. Bon, ben, il va falloir que je me guérisse, je pense, si je veux pas mourir. Oh. One, two, three. Je prends une poudre de vie parce que ça me remplit plus qu'une potion. Puis, il faut bien qu'elle me serve à quelque chose, hein. C'est pas comme si je la gardais après la quête. Non, on garde pas nos items après la quête. C'est bien de mentionner ça et tout. On a juste des jetons qu'on peut utiliser pour faire des armures après. Ça sert pas mal juste à ça, faire les arènes. Ou juste te penser bon si t'as fait un bon temps. Mais, ah, t'es... Ah, oh, sacrément, tu fais-tu exprès de faire ça à chaque fois? Je te demande juste une fois de pas faire ça. Et il avance vers l'avant. Ok, parfait. Encore! Ma puissance de l'arme diminue tout le temps, je te dis. Fait que, réguisons-moi. Viens-t'en pas me voir, toi. J'aime pas ça quand tu viens me voir. Ok, va voir rien pendant tout là-bas. C'est parfait. Non! Bon, là, tu craches. Comme c'est radieux, hein? T'aimes ça cracher partout, oui. Et, ok. C'est ça que je veux. Fais juste pas ton coup de queue. Coup de queue chien. Moi, je fais ça, mais je suis pas sur ta tête, fait que c'est clair. Moi, je l'ai pogné une fois. Toujours bien mieux que rien. Et t'aimes ça aller dans les airs, comme d'habitude. Oh, j'ai réussi à l'étourdir. Parfait. Pour moi, c'est un exploit, vu que je suis pourri avec un marteau, ok? Je devrais utiliser les trois coups à place de faire ça de même, mais c'est pas grave. Ah, je vais le prendre là, attends. One, two, three! Bitch! Je suis un petit peu trop joyeux de le massacrer. Mais c'est pas grave. Il mérite. One, two! Juste deux fois, t'es pas en feu, petit Kurupeko. Ah, je savais que j'avais pas dû me charger là! Je te dis, il y a des champs de force partout! Pas grave. Là, il va faire son coup de queue. Non? À cause que je m'en attendais, c'est ça? Attends, je vais rester plus loin. Attends, mon salaud! Tu devrais être en veille de crever, là, bientôt. Aïe, il aime ça, faire n'importe quoi, je te dis. Arrête de faire n'importe quoi, Kurupeko! Merci! Ça me tentait de signaler sans aucune raison, puis on peut pas obtenir rien si on les dépeste. J'aurais dû mentionner ça pendant qu'on se battait contre Grand Jaggy, mais on peut rien avoir en dépeçant. Mega Potion. Est-ce que c'est... Oh my god, il me reste full de temps encore. Ouf. Et les jetons que je parle, on va les voir ici supposément. Il peut y avoir des genres de papier aussi. Je sais pas si on va tout voir ça là. Non, mais on a eu trois jetons de Kurupeko qu'on peut utiliser pour faire des armures, comme je l'ai déjà dit. Fait que choisissons une autre quête. Et c'est avec le Baroth.